空あて虹を描いた。こんな違う僕ら出会うはずもないはずもなかったさ。泣かないでいて秘密の約束消えない傷跡守りたいと言ってしまえたらきっと楽になるけれど、どうしようもないほどにもう引き裂かれない。本当の言葉聞きたくもない。口づけダイヤモンドをあなたの指に渡そう。形のない約束いつだって思い出して、写真に残らない思い出を焼き付けて、l'été, la plage, c'est parti pour des vacances de malade. J'ai fait la première. Il y a que ça de vrai, et c'est pour ça que je suis venu. C'est normal qu'elle soit plus froide qu'à la piscine. Shiraishi, hein? Rien de tel pour te rafraîchir les idées. Un peu froide et surtout plus salée que je le pensais. À une baleine. Non mais ça va pas, non? Dis donc, au fait, tu sais où est passé Yamada? C'est vrai, ça, où est-ce qu'il est? Je crois savoir pourquoi il est pas là. Quand je pense qu'ils sont en train de s'éclater à la plage pendant que moi je suis enfermé et que je me tape encore un stage de rattrapage. On n'a même pas le droit de regarder la télé. Et moi je saurais pas si je suis qualifié pour la finale de mon jeu vidéo. Dites donc, vous trois là. Je crois pas, Yamada est revenu. À mon avis, s'il avait eu le choix, il ne serait pas là. Donc on prend les mêmes et on recommence. Votre cas est désespéré. C'est la preuve qu'il n'existe aucun remède pour les imbéciles. Alors là, ça te va bien de dire ça, hein, que j'ai raison, Otsuka. Oh non, je le sens très mal. Comme promis, voici les résultats du test que vous avez passé aujourd'hui. Vous avez complètement échoué, mais vous vous rattraperez demain. Bah dis donc, je me demande si je pourrais profiter de mes vacances un jour. C'est vrai, quoi. En plus, si je suis venu ici, c'est pour une raison bien précise. Bravo, c'est tout ce que vous avez trouvé à faire? Un jeu de société? Et le deuxième calepin? Et les sorcières? C'était super d'apprendre que le club disposait d'une salle. On était prêts. On attendait que ça pour pouvoir continuer. Mais le problème, c'est qu'on ne peut pas avoir accès à la salle. Pourquoi? D'après ce que j'ai compris, le prof qui a la clé n'est pas là. C'est pas vrai. Ah, ils vont remettre ça avec les examens de rattrapage. J'ai toujours pas de deuxième volume en vue. Je sens que je vais passer l'été le plus foireux que j'ai jamais connu. Yamada. Ouais, quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Demain, on permutera nos corps. Et c'est parti! Je reviens, je vais faire une plongée. Je suis super contente pour Yamada. Mais je me demande ce que Shiraishi avait dans la tête en permutant les corps. Moi, ça me paraît évident. Quand Yamada n'est pas là, c'est pas vraiment la même ambiance. C'est pas vrai! J'ai perdu mon... Attends! Je vais regarder! Regarde si tu vois mon maillot au pot, si chose. Jamais il rate. Les examens de rattrapage. On va encore passer toutes nos vacances en immersion dans les maths et les exercices à rallonge. Kameda, levez-vous, je vous prie. Oui? Dites-moi quelle formule doit s'appliquer pour résoudre cette équation. C'est la... La numéro 3. Très bien, tu peux t'asseoir. Et maintenant, qui se propose de résoudre le problème suivant? Yamada? X est égal à 5 sur 6 fraction carrée. Y est égal au tiers simplifié. C'est exact. C'est incroyable, il a bien répondu. Il a dû tricher, c'est pas possible. J'en reviens pas. Il n'arrête pas de travailler et il a bon à tous les problèmes. Je me demande s'il ne faudrait pas l'accepter parmi nous. Qu'est-ce que vous en pensez?
Nous te laissons le soin d'engager la procédure, Otsuka. Bon, ben, c'est déjà l'heure d'aller dîner. Tu ne veux pas manger quelque chose? D'accord. Non, attends. Est-ce que tu veux bien être ami avec moi? Je veux dire, comme on est tous les deux en rattrapage, on pourrait peut-être devenir copains pour travailler. Ok, ça marche. J'y vais. À tout à l'heure. Non, attends, s'il te plaît. Ne pars pas. Je vais faire quelque chose qui va symboliser notre amitié. Au fait, pourquoi t'as insisté lourdement pour qu'on permute de nouveau nos corps? J'ai encore des examens à passer, moi. Je te parle, Shiraishi. Moi, ce que je voudrais savoir, c'est quel genre de relation tu entretiens avec Otsuka. Pourquoi tu me demandes ça? L'an dernier, on a pris les mêmes cours de rattrapage, mais c'est tout. Tout ce qu'on sait, c'est qu'elle est dans la même classe que nous. Je crois qu'elle fait partie du club de recherche manga. Ouais, c'est ça. Elle fait aussi partie des élèves qui n'ont jamais la moyenne, comme Yamada. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu me parles d'Otsuka? Réponds-moi franchement. Est-ce que tu l'as déjà embrassée? Quoi? Non, je l'ai jamais embrassée! D'accord. Alors, il n'y a plus aucun doute. Otsuka Meiko est une sorcière. Quoi? Elle m'a embrassée sans prévenir. Hein? C'est tout à fait typique du comportement d'une sorcière. Mais j'ai constaté aussi qu'après ce baiser, nos corps n'ont pas permuté. Ça veut dire que quand deux sorcières s'embrassent, ça ne produit aucun effet. Donc cette fois, on en est sûr, Otsuka est une sorcière. Mais quels sont ses pouvoirs? Je n'en ai aucune idée. Mais c'est bien après toi qu'elle en a, Yamada. C'est pour ça que j'ai permuté, pour que tu reprennes ton corps. Ça me paraît beaucoup plus prudent comme ça. Tant que je ne connais pas exactement ses intentions, je n'ai aucun moyen de l'empêcher de s'en prendre aux autres. D'accord, c'est bien gentil tout ça. Mais comment je fais pour passer mon examen, moi? Tu n'as qu'à le passer toi-même. Ah non, ça je veux pas! Prions pour Yamada! On l'aimait bien. Vous allez arrêter, oui! Oh, quand je pense que j'aurais dû passer tous mes examens aujourd'hui. Si Otsuka est bien une sorcière, quel genre de pouvoir elle essaie d'exercer sur moi? Je suis vraiment désolée de ce qui s'est passé tout à l'heure. Tu t'y attendais pas? Quoi? Je veux dire, je t'ai embrassée, alors que tu ne t'y attendais pas du tout. Je suis désolée. Elle ne se rend pas compte que son pouvoir n'a pas fonctionné sur moi. Maintenant, écoute-moi bien. Surtout, tu ne dois pas être surpris de ce qui va peut-être se passer par la suite. Hein? Tâchons de le réussir ensemble, cet examen. Pourquoi elle a dit ensemble? Bizarre. On dirait qu'ils réfléchissent sur les problèmes comme d'habitude. Oh non! Si j'ai pas au moins 80, je suis foutu! Je sens que ça va être hyper compliqué. Avoir leur tête pour eux aussi, c'est pas gagné. Dis donc, Otsuka. Quoi? Une petite question. Qu'est-ce que tu m'as fait? Rien, je... Réponds-moi, qu'est-ce que tu cherches exactement? Tu as vu comment tu me parles? Tu n'es plus le même que tout à l'heure. Vaut mieux que tu oublies ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui lui prend? Je comprends plus rien. C'est pas vrai, mais qu'est-ce que vous faites tous ici? C'est un peu ce qu'on allait te demander. On n'a pas apprécié que t'aies voulu essayer de nous doubler. Moi, pas du tout. Arrête de jouer ce petit jeu avec nous. Je suis presque sûre que tous les deux, vous étiez venus voir si le deuxième volume n'était pas ici, mais la salle n'était pas ouverte. Ouais, on est déjà au courant. Mais le local du club n'ouvrira pas avant la fin des cours, c'est bien ça? Hein? Et d'après ce que je sais, c'est le prof remplaçant qui assure le cours de rattrapage qui a la clé de la salle du club. Donc ça veut dire que... qu'on ne pourra pas mettre la main sur le deuxième petit calepin tant que tous les lycéens n'auront pas passé leur examen? C'est ça, je vois que tu as tout compris. Je ne vois qu'une solution. Vous devez tous permuter avec Shiraishi et vous arranger pour tricher. Arrête de délirer! Comment veux-tu qu'on s'embrasse devant un prof? En même temps, Otsuka m'a dit un truc du style « Cet examen, on va le réussir ensemble, juste avant que ça commence. » Je veux dire, le fait qu'elle dise une chose pareille, est-ce que ça a un rapport avec son pouvoir? Tu espères que les examens ne seront plus un souci pour toi si on utilise les pouvoirs d'Otsuka? Oui, mais on peut pas en être sûr. Tu ne crois pas que ça vaudrait la peine de faire une tentative?
Attends, tu ne veux pas dire que... Si, justement. Cette fois, tu vas aller voir Otsuka et tu vas l'embrasser comme tu sais le faire. Je sais qu'on doit tout faire pour que Néné se laisse embrasser. Mais je vois vraiment pas l'intérêt de me dire d'aller prendre un bain à sa place. Et en plus, ils m'ont dit que je devais lui laver le corps. Salut. C'est sympa qu'on se baigne ensemble, non? Mais qu'est-ce qu'elle fabrique? On est dans la même chambre, tu aurais quand même pu m'inviter. Un gommage de peau partagée, ça ne peut pas faire de mal, surtout entre sorcières. Bah quoi, qu'est-ce qui t'arrive? Oh, rien, ça va. Je vais me laver les cheveux. J'ai fini la première. Non, attends, je t'ai pas dit de sortir. Non, c'est pas vrai. Ne me dis pas que tu es Yamada. Tu es complètement malade. Mais j'y peux rien, moi. Otsuka a croisé Shiraishi et l'a embrassé, mais après avoir permuté avec moi. Elle a dit que c'était plus facile pour elle d'obtenir d'Otsuka qu'elle promette de m'embrasser. T'es un malade et en plus, t'es un pervers. Ça y est. Otsuka a dit qu'elle voulait bien t'embrasser. T'en es sûr? Oui. Mais il faut d'abord qu'on permute. Rendez-vous derrière l'entrée. Non, mais attends... J'espère bien que ce sera la dernière fois. Du coup, s'il ne se passe rien, tu pourras oublier que je t'ai demandé d'être mon ami. Ouais. T'inquiète. On va enfin être fixés sur les pouvoirs d'Otsuka. Franchement, c'est bizarre. J'ai embrassé Yamada, mais il ne s'est rien passé. Ouais, moi c'est pareil. Alors là, moi j'y comprends plus rien. J'espère que tu as tenu ta promesse et que tu as bien embrassé Otsuka. Réponds oui ou non. Ça vous arrive d'avoir confiance en moi? Peut-être que c'est comme le pouvoir de séduction déclenché par Néné. Ça va peut-être faire son effet progressivement après qu'ils se sont embrassés. Ça voudrait dire qu'on ne peut rien faire dans l'immédiat. Je vais attendre dans la chambre des filles. Moi aussi. Pareil pour moi. Non mais attendez, c'est mon lit ça. Les garçons, vous retournez dans votre chambre. Yamada! Yamada! Tu vas la fermer, Miyamura? Tu m'entends? Réponds-moi! Les sourds, je t'ai dit de la fermer! Réponds-moi! Hein? Mais c'est une fille! C'est un Otsuka! Tu vas me répondre, oui! Où est Otsuka? Mais enfin, qu'est-ce qui te prend de parler d'Otsuka? Tu veux dire que tu l'as pas vue? Dis donc, t'es sûr que t'as pas rêvé, toi? Arrête! Je suis sûr que je l'ai entendu m'appeler! La voix que tu entends a été introduite dans ton cerveau grâce à mon pouvoir, la télépathie. La télépathie? Alors écoute bien cette consigne. Entraînement demain matin à 6h. Rendez-vous derrière l'entrée et ne sois pas en retard. Terminé. Mais qu'est-ce qu'elle raconte? J'ai compris. Le pouvoir d'Otsuka, c'est la télépathie. Je suis là, comme tu me l'as demandé. Oui, et heureusement, tu as entendu ma voix et tu as obéi à la consigne. Ouais, faut croire. Sauf que t'avais 10 minutes de retard. Est-ce que tu me manques de respect, soldat Yamada? Quoi? Qu'est-ce que c'est que cette réponse? Garde à vous! Vos ordres! Tu crois que tu vas te foutre de moi longtemps comme ça, espèce de microbe? T'as déjà oublié ce que je t'avais dit? Comment ça me faire flipper? Dès qu'elle me parle par télépathie, sa personnalité change complètement. Bien, si tu le veux bien... Commençons ton entraînement. Oh mince, je le savais. Ce pouvoir fonctionne sur toutes les personnes que j'embrasse. Ça veut dire que toi aussi, tu peux très bien m'envoyer un message. Maintenant, retourne-toi, s'il te plaît. Comme ça? Oui, maintenant fixe mon image dans ta tête avec ce que tu veux me dire. C'est trop bruyant, je ne comprends rien. Parle de ma tête, je te signale! Ce pouvoir nécessite une imagination débordante chez ceux qui veulent s'en servir. Allons-y, soldat Yamada. Mémorise bien mon visage une dernière fois. Tâche de te concentrer et ne me fais pas le coup du nez qui saigne. D'accord? Pourquoi t'y arrives pas? Je sais pas, moi. T'es en train de dire que j'ai une imagination complètement nulle, c'est ça? Alors prouve-moi que tu peux y arriver. Concentre-toi. C'est pas vrai. C'est pas si évident que ça de se servir de ce pouvoir. Et même si j'y arrive, comment ça va m'aider à réussir mon examen? On dirait que tu as quelques soucis, soldat Yamada. Ça se fait que j'entends sa voix, lui aussi. T'as
Je crois que tu n'as pas encore réalisé l'étendue de ce pouvoir. Maintenant que tu as été embrassé par le commandant Otsuka, tu peux partager ce pouvoir avec tout le monde grâce à elle. Mais si je comprends bien, si un seul d'entre nous trouve les réponses, on pourra tricher autant qu'on le voudra. Tout à fait. Ça alors? Mais c'est le truc le plus génial qui soit. Attends un peu. Qui va être en première ligne pour trouver les bonnes réponses? Bah, ça me paraît évident. C'est toi qui rassemblera les réponses. Hein? Entre nous quatre, c'est toi qui y vois le plus clair. En fait, tu es un bon élève et tu ne veux pas l'admettre. Yamada, nous devons travailler main dans la main. Bon alors, si je comprends bien, en supposant que je maîtrise la télépathie, il va falloir que je trouve les réponses et que je les transmette. Quand je pense qu'on venait juste d'identifier le pouvoir d'Otsuka. Non. Arrêtez de faire cette tête et pensez à quelque chose. Poitrine. Quoi? Poitrine. 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 Ça y est! Miyamura vient de me transmettre un truc par télépathie. Quoi? Miyamura! Dis-moi, comment t'as fait? Vite! Il suffit de fixer le visage de l'autre dans ton esprit. Justement, c'est ça le problème, j'y arrive pas. Mais si vous pouvez communiquer tous les deux par télépathie, tu auras peut-être plus de chances de réussir l'examen. Tu crois? Ça peut marcher? Y'a pas le choix. Tiens, je te donne ça. Fais-en bon usage. C'est l'heure! Vous pouvez commencer et travailler en silence. Comment ça se fait que Miyamura a toutes ces photos? Je peux en avoir autant que je veux. Oh. Il y a un problème avec cette photo, soldat Yamada. Ah non, c'est pas possible. Génial. Tu feras la fête plus tard, mets-toi au travail. C'est parti, question numéro 1. Si on considère l'opération X moins Y plus 3 égale à 0. Moi aussi, j'ai envie de lui parler. Ivo Pasteur. En fait, quand je donne l'énoncé du problème, Shiraishi y répond. Et après, Miyamura me renvoie la réponse. Ah! Qu'est-ce qui se passe, Yamada? J'ai beau prendre le truc dans tous les sens, on n'aura pas le temps de finir. Je veux pas le savoir, concentre-toi et dépêche-toi. Otsuka, si on misait tout sur les 5 dernières minutes. Je t'écoute, vas-y, explique-toi. Si on procède comme ça, on n'aura jamais fini à temps et ce sera fichu. Alors je vais essayer de rassembler toutes les réponses et de vous les envoyer pendant les 5 dernières minutes. Mais je ne garantis rien. Faisons comme ça. On te fait confiance. C'est parti! Et maintenant, je vais vous rendre les copies corrigées. On a réussi! On est les meilleurs! Bravo à toi! Félicitations, soldat Yamada! Hein? Comment ça, soldat? C'est comme ça que je t'ai appris à saluer! Finalement, il l'a réussi, cet examen. Il a seulement réussi à tricher, ouais. Non, pas tout à fait. Il avait un pouvoir bien à lui. Et il a su s'en servir. C'est un sacré pas en avant pour lui. Vous croyez pas? Le plus important, c'est qu'on va enfin pouvoir ouvrir la porte du club. C'est vrai. C'est important. Bon, bah, on y va. Oh! Quoi? La pièce est vide? Alors là, j'y comprends rien. Ça devait être une salle de rangement du matériel. Il me semble que je vous avais prévenu. Oh! Vous ne trouverez pas ici ce que vous cherchez. Madame! Les autres clubs ont aussi utilisé cette pièce comme vous. Donc tout ce qu'il y avait dedans a été jeté. C'est une blague! Comment on va retrouver le deuxième calepin? Si ça se trouve, il était même pas là. Donc en gros, il n'y a rien à regretter. Oui, c'est vrai. C'est un peu dommage, mais on en sait plus sur Otsuka. Et plus important encore, on s'est bien amusé. Shiraishi! Bah quoi, c'est vrai, elle a raison. Et en plus, ce n'est pas tout à fait terminé. Non, attends! Les examens, eux, ils sont finis. Je parle de notre séjour au bord de la mer. Je propose qu'on en profite jusqu'à la dernière seconde. Je suis d'accord, alors c'est parti. Miyamura, réponds-moi franchement. Est-ce que tu sais qui a vidé ce qu'il y avait dans cette pièce? Tu dois bien avoir une petite idée. Quoi? Non, mais attends. Où est-ce que tu vas? Il n'y a que notre cher président qui soit capable de faire une chose pareille.
faire le seau d'eau, s'il te plaît? Tu peux pas le faire, toi? Yamada? Hein? Tu veux bien allumer le feu d'artifice? Non, mais ça va pas, c'est trop dangereux! Faut que je te dise, Shiraishi? Oui, quoi? Maintenant que je connais un peu mieux Otsuka, il y a un truc dont je suis convaincu. Tu n'étais pas heureuse. Tu étais un peu seule dans ton coin. Et le pouvoir de permutation des corps t'a permis de t'ouvrir aux autres. Néné a cherché des soutiens parmi les lycéens pour devenir présidente du conseil. Et on sait qu'elle a le pouvoir de séduction. Otsuka avait du mal à s'adresser aux autres par timidité. Et elle a le pouvoir de télépathie. J'ai compris que les sorcières détiennent le pouvoir qui leur correspond et qu'elles ont souhaité. Oui, tu as peut-être raison. Mais alors, si c'est ça, qu'est-ce que je peux bien souhaiter, moi? Parce que toi aussi, tu souhaites très fort quelque chose? J'en sais rien. Mais je suis presque sûr que j'aurai la réponse si je rencontre toutes les sorcières. C'est pour ça que j'ai décidé de partir à leur recherche. Je voudrais bien savoir pourquoi j'ai acquis ce don qui est en moi. Yamada. Moi aussi. Moi aussi, j'ai envie de savoir pourquoi. Et alors, qu'est-ce que vous faites là, tous les deux? Vous avez l'intention de regarder les étoiles toute la nuit? Mais non, enfin, pas du tout! Décidément, tu auras fait bande à part jusqu'au bout, toi. Oui, ça, c'est vrai. Taisez-vous et écoutez-moi. J'ai une grande nouvelle à vous annoncer. Et c'est grâce à Otsuka. Fais attention, tu as l'air un peu trop sûr de toi en disant ça. La prochaine sorcière, je sais qui ce sera. Quoi? Kimi ni sumaru kande mekuru peji no naka kusanete futari hitotsu ni kanadete Le menu de ce soir, c'est beignets. Tout sauf des beignets. Tout sauf des beignets. Puisque c'est ça, allez me chercher du riz au curry. Mais pourquoi? La commandante est devenue folle.